Bonjour et bienvenue sur Arsenal Preview. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série des Fast Attack de chez Apex. Et donc découvrir deux répliques qui nous ont été transmises par notre partenaire DM Diffusion. Nous vous avions proposé en premier épisode la version Fast Attack 811 RIS. Et aujourd'hui ce sont les modèles 702 et 802 K-Mod que nous allons vous faire découvrir plus en détail. Ces deux répliques se basent sur la même architecture de corps, cross et gearbox que la version 811 RIS. Les rails K-Mod, canon externe et canon interne seront différents et permettra aux joueurs de choisir la réplique qui leur correspond le mieux. Que trouve-t-on dans le package? Le carton de transport sera identique sur toute la gamme de répliques Fast Attack. La réplique est bien maintenue dans son logement en mousse compacte, protégeant bien son contenu, son mag 300 billes métal, et ainsi qu'une notice assez sommaire mais obligatoire pour la France. On part donc sur une base d'AR-15 qui offre un visuel assez commun sur la partie arrière, mais au contraire donne une partie avant plus moderne et agressive. Elles sont fabriquées en majorité en métal avec une peinture mate, ainsi agrémentées d'organes de visée flip-up en plastique, mais également de trois rails Picatinny prémontés sur leur RIS K-Mod sur la version 702 et non sur la version 802. La version 702 pèse 2,6 kg pour 660 mm à 750 mm cross déployé. La version 802 pèse 2,4 kg pour 720 mm à 800 mm cross déployé. Elles seront toutes les deux adaptées au jeu en CQB comme en extérieur. Elles sont donc composées d'un cache-flamme en plastique monté sur un canon externe en métal également et qui permettra de monter le silencieux métal ou plastique proposé en option par Classic Army et qui agrémentera votre réplique. Ces silencieux sont fournis avec leurs cache-flammes respectifs et de la même matière. Le gardement K-Mod métal fait 203 mm sur la version 702, agrémenté de 3 rails supplémentaires, et 228 mm pour la version 802, quant à lui sans rails supplémentaires. Deux organes de visée en plastique de type flip-up. Le upper et lower sont en métal de bonne qualité, ne laissant apparaître aucun jeu. Le corps reçoit également les marquages Apex. On découvre ensuite les éléments habituels comme le sélecteur de tir, le bouton d'éjection chargeur et le levier d'armement factice, donnant un accès au réglage du hop-up par la fenêtre d'éjection cartouche factice. Puis la poignée de type pistol en plastique, la détente de type speed en métal qui renforce le look de la réplique, ainsi que la pontée métal. La crosse de type crane en plastique permettant d'y loger votre batterie. On note l'absence d'emplacement d'attachement sur le buffer tube, mais on peut trouver un emplacement QD sur un des trois rails supplémentaires sur la version 702. Puis on termine par son mag métal de 300 billes.
702, en bis 0,25, lipo 7,4. À 20 mètres avec la version 802 en bis 0,25, lipo 7,4. On passe en mode full, toujours à 20 mètres. On passe au test à 50 mètres avec la version 802, toujours en bille 0,25, lipo 7,4. Remonter un petit peu le hop-up. Passer en mode full auto. Donc on passe au test à 50 mètres avec la version 702, donc toujours à 25 mètres. Top. Donc on passe au test avec la 702 en bille 0,25 à 50 mètres. Toujours en lipo 7,4 volts, on y va tout de suite. Je vais monter un peu le hop-up. Passer en mode full auto. Voici la review de la Fast Attack 702-802 qui est mode chez Apex et transmise par notre partenaire DM Diffusion terminé. Vous pourrez retrouver ces produits dans tous les shops revendeurs DM Diffusion. Retrouvez tous les liens vers cette review de notre partenaire dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook. On compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.